Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo preview de collection Essence. Je vais t'en présenter deux. Alors, j'ai filmé une vidéo make-up juste avant, mais je pense qu'elle sortira après cette vidéo, dans laquelle j'explique que je m'excuse pour ma voix, mais cette semaine, j'ai beaucoup toussé. Alors, je vais bien, mais voilà, j'ai beaucoup toussé et je tousse encore un peu. Et donc, ben voilà ce qui fait que ma voix est peut-être un peu différente de d'habitude. Mais voilà, ça ne m'empêche pas quand même de filmer. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, je vais t'en présenter deux. La première qui est trop mignonne, c'est la Merry Xmas, my dear. Et la deuxième, c'est la Chili Vanilli. Alors, comme à chaque fois, je me décale et je te présente la collection. Donc c'est une collection qui est trop mignonne, on commence par la Merry Xmas My Dear, elle est vraiment trop mignonne avec des petits cerfs, des petits rennes. Alors ce sera la collection de Noël, j'ai vu qu'elle était déjà disponible sur Cosmetics for Less, donc j'imagine qu'elle va plus tarder sur Boozy Shop. En premier nous avons un liquid blush vendu 3,69€, toujours environ, hein, ça dépend des revendeurs. Donc c'est un blush liquide avec une formule ultra légère et en même temps très pigmentée. Voilà, c'est un petit embout avec un applicateur éponge. Le packaging me fait fortement penser à ceux de chez SheGlam et c'est un qu'Evelys m'avait donné et je l'adore. Moi qui ne suis pas du tout blush liquide, celui-là je l'adore. Donc j'ai vraiment bien envie de tester celui de chez Essence. Et en plus, la couleur a l'air très très belle. Un peu un rose assez foncé, un boîte rose mais très foncé. Enfin très foncé, foncé. Voilà, vraiment, je pense que ça peut aller à tout le monde. Je la trouve très très belle. Ensuite, nous aurons un highlighter vendu 3,99€. C'est un highlighter poudre avec une texture veloutée, douce et brillante. Il donne un look sain et festif grâce à ses reflets dorés. Et voilà, le packaging est très, enfin le pan est très beau aussi avec ses reliefs. Donc voilà, très joli. Lui, je pense pas que je le prendrai, mais le blush, c'est sûr. Ensuite, nous aurons un Jumbo Highlighting Crayon Pencil, vendu 2,49€. C'est un grand crayon, un Jumbo, qui permet de mettre en valeur certains traits de notre visage. Donc, soit on peut l'utiliser, enfin voilà, il est un peu multifonction, on peut l'utiliser comme base de fard à paupières. Donc, c'est crémeux et donc il glisse facilement sur la peau. Et il laisse une subtile lueur de or blanc, voilà, couleur or blanc. Voilà, on peut l'appliquer en tant qu'highlighter aussi, en coin interne, voilà, sous le sourcil, ça peut être joli aussi. Peut-être que je le prendrai, ça m'intrigue un petit peu, et puis ça peut-être être facile pour un make-up, facile d'utilisation pour un make-up de tous les jours. Nous aurons une paire de faux cils dans une petite boîte ronde, vendue 2,99€. Voilà, c'est pour donner des yeux de biche, hein, un regard de biche. Ils agrandissent les yeux et ils sont faciles à appliquer. Il y a une petite colle incluse pour qu'on puisse les utiliser directement. Maintenant, moi, je recommande pas les colles qui sont incluses, c'est jamais les meilleures. Mais voilà. Ensuite, nous aurons le Glitter Lip Beautifier. J'en avais déjà acheté un d'une autre collection, je pense que c'était l'année passée. Ça y ressemble très fort. Vendu 2,99€, c'est un embellisseur de lèvres scintillant. Les lèvres sont nourries grâce à l'huile de jojoba et à la vitamine E. Et alors, les particules de paillettes douces offrent un fini brillant subtil pour des lèvres à embrasser. Voilà, j'avoue, donc j'en ai acheté un l'année passée. Il est là au-dessus, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je trouve ça trop beau. Et ensuite, nous aurons un petit baume à lèvres brillant vendu 2,29€. Et lui, je vais le prendre parce que c'est ce qui fait toute la collection. Regarde ce packaging comme c'est trop beau. Si on ne préfère pas les paillettes, mais avoir des lèvres douces et hydratées, ben voilà, ce baume-là est fait pour toi. Donc, il a un emballage de Rudolph. Il a une subtile teinte rosée et il contient de l'huile de coco pour les soins nécessaires. Packaging trop mignon, j'adore. Ensuite, nous aurons un top coat. Pour le vernis à ongles vendu 2,49€. Il contient des flocons irisés et des particules de paillettes. Donc ce top coat transforme n'importe quelle couleur de vernis en un vernis un peu plus festif et lumineux, pailleté grâce aux paillettes qu'il contient. Nous aurons aussi une petite planchette d'autocollant à ongles, donc de stickers à ongles vendu 1,69€. C'est une autre façon d'embellir sa manucure en travaillant les autocollants pour les ongles.
Donc on peut créer facilement un nail art. Les stickers sont dorés et rose gold et ils s'adaptent donc à presque toutes les couleurs de base. Voilà, toujours sur le thème un petit peu des serres, c'est très joli. Et donc voilà, la collection sera disponible à partir de mi-novembre. Comme je l'ai dit, elle est déjà en vente sur Cosmetics for Less. Et elle ne devrait certainement plus tarder sur Boozy Shop. À l'heure à laquelle je filme, elle n'y est pas encore. Peut-être que d'ici là, elle le sera. Mais voilà. On passe à la deuxième collection. Et ce sera la première collection à sortir pour 2024. Il s'agit de la collection Chili Vanilli. Je ne sais pas comment on le dit exactement. Mais voilà. C'est une très jolie collection, je trouve. Elle a des textures douces et brillantes. Et ses nuances de couleurs sont inspirées du latte. Du latte macchiato. Donc voilà, des couleurs un peu marronnées. Alors, qu'est-ce qu'on en dit ? Donc la collection Essence Chili Vanilli est une collection d'hiver et bien plus que cela. C'est ce qu'on recherche dans une collection d'hiver. Il faut penser à des textures douces, brillantes, à des formules respectueuses de la peau qui t'enveloppent comme un câlin chaleureux, tout comme ton pull en tricot préféré. Booste ton maquillage avec une palette aspirée du latte, comprenant des nuances métalliques chaudes et des produits pour les lèvres rappelant l'épice vanille. Voilà, je la trouve vraiment trop belle et... Ouais, j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, nous aurons une Brightening Under Eye Cream. Donc, une crème éclaircissante pour les yeux, sous les yeux, pardon, vendue 2,69€. Elle a une formule légère et donc une formule crème légère qui a un effet nourrissant. La teinte claire de cette crème pour dessous les yeux illumine la zone autour des yeux. Et avec l'applicateur, on peut doser correctement et appliquer la crème au bon endroit. Ça m'intrigue, peut-être que je testerai pour avoir peut-être estompé un peu plus les cernes, surtout ici en coin interne chez moi. Donc voilà, on verra. Et puis alors, il y aura deux Liquid Eyeshadow, donc des fards à paupières liquides, vendus 2,49€ l'unité. Il y a encore beaucoup de choses à célébrer après Noël, donc on peut avoir un regard saisissant avec une de ces ombres à paupières liquides, le soir du Nouvel An par exemple. On peut choisir entre une teinte champagne claire et une variante légèrement plus foncée. Et les deux sont tout aussi brillants. Je pense brillants, plutôt métallisés. Ça, c'est vraiment le style de produit que j'aime, donc je les prendrai. Ensuite, nous aurons un lip mask, donc un masque pour les lèvres, vendu 2,99€. Il a une texture ultra riche et onctueuse qui donne la garantie de lèvres douces pour célébrer la nouvelle année. Il se présente dans un pot rond qu'on peut facilement porter avec nous et il dégage un doux parfum de vanille. Ensuite, nous aurons le Color Intensifying Lip Balm, vendu 2,99€. Avec ce baume à lèvres, Essence veille à ce que tes lèvres soient belles. Le baume réagit au pH de tes lèvres et donne ainsi une douce teinte rose. En même temps, tes lèvres sont adoucies et hydratées et il a également un doux parfum de vanille. Et pour terminer dans les lèvres, je pense, nous aurons un lip glaze vendu 2,69€. Si tu préfères un effet brillant sur les lèvres, ce produit est fait pour toi. C'est une teinte neutre qui te convient pour toutes les occasions et tous les looks de maquillage. Et elle a un fini brillant et chatoyant. Et il a aussi un doux parfum de vanille. Ensuite, nous aurons le Face and Body Highlighting Stick, vendu 3,99€. Donc, c'est un highlighter pour le corps et pour le visage. Donc, qui permet d'illuminer des points bien précis. La teinte a un des reflets or rose qui flatte toutes les carnations. Et l'application est un jeu d'enfant avec ce stick. Ce sera à tester, ça m'intrigue un petit peu. J'ai pas l'habitude d'utiliser des baumes comme highlighter. Moi, je suis beaucoup plus poudre. Mais je trouve le format plutôt intéressant. Et c'est vrai que pour mettre à nouveau sur les clavicules, ça peut être pas mal. Les épaules, ce sera à tester. Et puis, nous aurons une Giant Sponge, une éponge géante, vendue 4,99€. Voilà, la marque dit que si les éponges à maquillage habituelles sont trop petites pour nous, alors celle-ci est faite pour nous, avec cette éponge géante. Elle garantit une application transparente des textures liquides, telles que le fond de teint, l'anti-cerne et les fards à joues liquides. Alors j'ai dit en début de présentation de collection que c'était la première collection pour 2024, mais en fait c'est plutôt celle qui termine 2023, donc elle devrait être disponible fin décembre. Voilà, donc certainement de nouveau sur Boozy Shop, Cosmetics for Less, sinon il y a Notino, ça arrive un peu plus tard sur Notino, mais il y a Notino, il y a Parfum Dream, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus, Nocibé je pense en France. Donc voilà, c'est un peu à surveiller, mais on trouve un peu plus facilement maintenant les collections Essence.
Et donc ben voilà, j'en ai terminé avec les présentations de ces collections. J'espère que ça te fait plaisir. Dis-moi en commentaire si tu vas craquer sur certains produits ou pas du tout. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Je vais pas craquer sur tout, mais sur certains produits, ça c'est sûr. Et donc, ben, tu verras ça en vidéo certainement si ça vaut le coup. Et donc, ben, voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.